qu'on attend là? Mais on attend de recevoir le prix et d'aller sur scène, non? Ah, c'est ça qu'on attend. Dépêchez-vous. Les Hornets du Canet se préparent à recevoir le titre d'ambassadeur du sport des Alpes-Maritimes. Ils attendent avec excitation leur passage sur scène. Impatient. Heureux. Contente. Je suis impatient. Très content. Le département des Alpes-Maritimes a organisé une cérémonie en grande pompe au stade de l'Alliance Riviera. Tous les sportifs du 06 sont récompensés pour leur titre obtenu en 2017. Les Canetans ont quant à eux remporté l'Euroleague 3 en Turquie. Un trophée de plus qui s'ajoute au beau palmarès des Hornets. Le basketball au niveau Andy, le club des Hornets du Canet. Nous accueillons sur scène Christophe Carlier, Nabil Guédoun, Stéphane Keller, le Grassois Kalis Mekazmi, Alexia Ramonet et Grassois Lula, vainqueur de la Coupe d'Europe, Andy Basket. Bravo! Super soirée, super accueil. Déjà à l'Alliance Riviera, c'est magnifique. Après, avec Monsieur Ciotti, tout ça qui nous réceptionne sur la scène, c'est super. Très fier de mes joueurs. Voilà, moi, ça fait plus de 10 ans que je joue au Canet. C'est mon club de cœur, mon club de formation. Et voilà, ça fait trois titres de champion d'Europe qu'on prend. Et c'est toujours avec autant de plaisir qu'on les reçoit. Donc c'est super, je suis fier de tout le monde. C'est de véritables champions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas un club basket Andy pour moi, c'est une grande équipe, un grand club de sportifs, de véritables sportifs de haut niveau. Et le président Farrugia a réussi sur le Canet à vraiment dynamiser, à vraiment mettre cette équipe au premier plan. Près de 250 sportifs ont brillé dans leurs disciplines respectives. Des champions de France, d'Europe et une championne olympique. Julia Pereira, médaillée d'argent en snowboard cross au dernier JO de Pyeongchang, était aussi présente. La licenciée du club d'Isola 2000, âgée de seulement 16 ans, a chaleureusement été accueillie par l'ensemble des sportifs de haut niveau. De voir un petit peu nos athlètes parmi tout ce groupe de sportifs, c'est toujours très appréciable. Beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. D'être présent ce soir, c'est une reconnaissance par rapport aux sportifs de haut niveau. Le conseil départemental nous aide et ce soir, elle l'a prouvé en nous invitant à cette belle soirée. Les joueurs du Canet n'ont pas fini de surprendre. Cette saison encore, ils sont en lice pour remporter le championnat de France et la Coupe d'Europe.